c'est Sana Khales. Je suis la seule photographe de l'exposition d'aujourd'hui. Donc, je participe avec la série Life Warrior. C'est 5 photos qui représentent les vrais guerriers de la vie. Je rends hommage aux différentes personnes. Chaque photo a une histoire vraiment profonde en noir et blanc. Et merci beaucoup. Venez découvrir à Living for Art Gallery à Casablanca. À très bientôt. Merci. Bonjour. Je m'appelle Natalia Gorbonova. Je suis une peintre autodidacte. Pour moi, c'est une passion. J'expose parfois un peu partout au Maroc, à Rabat, à Tarodant, ici à Galerie. C'est la première fois. Salam, ana ismi Ahida Aba Karim min madinati Tiznit. Nashat wa tara'atu fi madinati Tiznit. Ana al-yawm huna fi ma'rid Living for Art, la galerie Living for Art. Ushariku bi thalath lawahat. كان عشقي للألوان والريشة منذ الطفولة ساعدني على تطوير تقنية جديدة تعتمد أساساً على الصباغة بالأكريليك وتدوير الورق الكرتون مما يعطي جمالية أمثل بها ما تخزنه ذاكرتي من ذكريات لها علاقة بثقافتنا الأمازيغية خاصة والمغربية عامة وأتمنى أن تكون هذه اللوحات تنال إعجابكم وأتمنى من الزوار أن يتوافدوا بكثرة إلى هذا المعرض لكونه أعطى فرصة لفنانين كبار لفنانين لأول مرة يعرضون لوحاتهم كما هو الحال بالنسبة لي أنا اليوم وهذا الشيء يسعدنا كثيرا لأن الفن هو شيء لنشاركه مع الآخر ولا تفوتوا هذه الفرصة ونحن في انتظاركم. Bonjour, voilà, je m'appelle Lafarish Abdelrahman. Je suis pasteliste comme peintre. J'utilise donc la technique du pastel. En arabe, c'est l'alwan tabachiria. Et je suis en même temps médecin à Rabat. Voilà, c'est la technique que je présente en ce moment. C'est une technique qui est très peu connue ici au Maroc. Il y a très peu de pastellistes. Et c'est pour ça que j'ai voulu donc exposer ces travaux pour montrer un petit peu cette technique qui est un petit peu méconnue ici au Maroc. Donc, comme vous voyez, c'est une technique qui s'apprête beaucoup au portrait et nature morte et nature. Voilà, j'ai exposé surtout en France, en Espagne, au Pérou, et en Italie aussi. Ici au Maroc, j'ai exposé à 2 reprises. Et là, c'est la première fois où j'expose dans cette belle galerie, qui est vraiment une galerie qui vaut le déplacement. Voilà. Et je vous invite vraiment à venir visiter cette galerie. Il y a une ambiance artistique évidente. Bonjour, je suis Yasmina Seidi, artiste peintre autodidacte de Rabat. C'est la première fois que je participe à cette exposition, une exposition collective de la galerie Living for Art. Je présente 4 toiles. C'est mes dernières œuvres, mes dernières créations. C'est une technique mixte que je présente et qui représente la femme, ses émotions et sa joie de vivre et sa liberté. Je suis honorée d'être là et de représenter mes toiles qui représentent beaucoup mon univers qui est mon univers intérieur et mon monde à moi. Et j'espère que ne serait-ce qu'un instant, vous voyez cette vie palpitante qui ressort de mes toiles. Et merci. Alors, Shelle Zmouri, artiste peintre. Je participe à la deuxième exposition collective ici à Casablanca. Le thème aujourd'hui, c'est la femme amazir. Alors, celui qui va voir les tableaux va lire entre les lignes la force du caractère de la femme amazir.
J'ai choisi les couleurs jaune, vert et bleu pour faire référence au drapeau amazir aussi, à la vie de la femme amazir qui se compose de mer, de blé jaune et de nature verte. Aussi un tableau qui me tient à cœur, celui de la solidarité. C'est un hommage à la ville de Marrakech, aux victimes du séisme de Marrakech. Le tableau qui est au milieu, à base de cœurs, les cœurs des villes, des multiples villes qui se sont portées solidaires envers leurs concitoyens en Marrakech. Donc voilà. L'idée aussi est de regrouper plusieurs éléments artistiques, plusieurs éléments de la nature, incitant à poser des questions et à avoir différentes réponses et avoir aussi différentes questions en infini. Donc voilà. Alors bonjour, merci d'être venu. C'est Oumaïma Alami. Je suis artiste peintre, ingénieur et maman. Je suis spécialisée dans l'acrylique, tout ce qui est semi-abstrait et décoratif. Je travaille exclusivement à la main. Et aujourd'hui, j'expose le tableau Casablanca, le tableau À mon errance et le tableau Dialogue. Alors, pour le tableau Dialogue, il représente un dialogue entre deux femmes et qui se transforme en un dialogue interne entre une femme et son abat-jour. On peut le voir différemment selon ce qu'on préfère. Et le tableau Casablanca, il invite sur une réflexion un peu sur la vie urbaine dans toutes les grandes villes, entre des rêves qui sont brillants, vibrants et tout ça, et entre des réalités qui sont plus sombres. Donc voilà, le tableau À mon errance, c'est un tableau qui représente un peu la quête individuelle de tout un chacun dans un monde vaste, dans un monde indifférent. Et donc voilà, chacun sa trajectoire, chacun sa quête. C'est des figures qui ont des trajectoires différentes. Donc voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Hamouch Haitem, un artiste peintre autodidacte et en même temps académique. Je suis licencié en arts et médias en 2022 à l'université Ibn Tufayl. Aujourd'hui, nous sommes à l'exposition à Living for Art. C'est ma première exposition. Le style de la peinture, c'est un peu unique et spécial. Quand je fais du surréalisme, je suis de l'absurde ou l'abstrait. L'exposition est un niveau incroyable, techniquement et artistiquement. Merci. Bonjour, je m'appelle Essam Boumnaya, je suis artiste peintre marocain, je suis autodidacte. Je suis très heureux de faire partie de cette exposition collective. En fait, je remercie la galerie Living for Art pour cette opportunité qui nous a permis de rencontrer d'autres artistes, d'autres grands talents, des artistes marocains et des artistes étrangers. En fait, c'est vraiment une très belle occasion pour échanger avec eux, pour partager les styles artistiques de la galerie. Et je suis très heureux aussi de partager ces œuvres d'art avec le public casablancais qui est très connu par son amour pour l'art et pour la culture en général. J'ai participé avec ces trois tableaux de style cubiste. En fait, mes œuvres d'art représentent l'histoire marocaine et la culture marocaine. Le thème de cette exposition est « Entre les lignes ». Je vous laisse découvrir ce qui se cache derrière les lignes de mes toiles. Merci. Je vous présente Mohamed Aboul Mahassine. Peintre, auto-adidaxe. من الأعمال ديالي هاد الطابلو اللي كاين ورايا اللي سميتو الصحراء ديال الصحراء المغربية وتبقى دائما مغربي أبا على الجد ملي تيعيا لو بير يا لو فيس كي بخون لا غوليف وملي تيعيا لو فيس لو بتي فيس اي بخون لا غوليف باش تبقى الراية المغربية في الصحراء دائما مهزوزة دائما طالعة هذا من الأعمال ديالي وكاين اعمال اخرى اول مشاركه في هذا المعرض
هنا ما كتب شيء باش ندير معارض اخرى. هنا ما كنتش متفرغ شويه لهذا الشيء ودابا ملي تفرغت ليه شويه دابا تنحاول باش ندير معارض اخرى. Bonjour, ici Sylvie Duchossois à la galerie Living for Art. J'expose pour la deuxième fois dans cette galerie, cette fois-ci quatre tableaux qui sont derrière moi, qui représentent donc encore la femme sous ses différents aspects, différentes émotions, aussi bien l'introspection que les relations toxiques ou bien la fête avec la brésilienne. J'essaie d'exprimer donc mes émotions et aussi bien toutes mes inspirations, Klimt, Van Gogh, etc., le pop art, et surtout d'exprimer mon univers coloré et émotionnel dans mon art. Voilà, j'espère que mes tableaux vous plairont. Et bienvenue à la galerie où il y a beaucoup d'artistes de talent à découvrir.